De retour pour la finale, toujours avec KLB. Yo. Cette main m'a l'air plutôt. Ah, il n'y a pas de rouge, je viens de m'en apercevoir. Ça risque d'être problématique, mais je pense que c'est gardé quand même. Ouais, j'ai gardé le shadow, ça je pense. Hein. Sur le play, t'aurais mulligan? Mais c'est plus chaud. Plus chaud, mais Hein? on veut une Ouais. réponse. Probablement en mulligan sur le play. Ouais, probablement. Après, ça donne toujours envie sur le play un tour de Welkin Tern. Tu te sens toujours le roi du monde. Ah. Ah, le fameux vert blanc qui avait l'air correct. On va voir ce que ça a donné. En tout cas, il fait finale. J'espère qu'on va pouvoir jouer nos cartes aussi. Nice. Oui. Est-ce qu'il y a une... Non. On va attaquer d'abord. Ouais. Ah merde, il peut le sacrifier. Ah, fait chier. Ça. Ah. Attaque, ouais, on va faire un 2-1, je pense. Beginning of combat. Sinon, on est obligé de tuer une de nos bêtes, c'est pas génial. Ouais. Bon, après, ça reste un trade si jamais on tue Forge Devil, mais... On trouvera tellement facilement un autre spot. Ouais. Je trouvais pas encore de bête convoque relou qui peut nous faire là. Tiens, vas-y, alarme quand même. Non, ça. Ah, ça me fait nique. Sérieux là-dessus? Ouais. Ouais, dire 2-1 fly. Ah, mais je peux le bouncer, ouais, c'est quand même la mission. Ouais, c'est la grande mission, ouais. On prend, on prend. Ouais, on prend parce que aussi de côté tempo, je vais peut-être juste bouncer et mettre un. Ça lui fait remonter un fly. Ah putain, ça c'est chiant. Alors, un boon sur chat de 2, 4 points de 2 intimidate, s'il te plaît. Ça me plaît moyen. Qu'est-ce que tu proposes d'autre? 3-3. Ah, on met pas de points. Allez, 3-3 go, on commence à prendre des points en fly, il nous fait une bête, tu vois, on passe à 11 alors qu'il est encore à 18, tu vois, on est dans une situation où on est D'accord. Donc trop tard. on abandonne le Forge Devil. Ouais, abandonne le forge. Tu quoi avec le forge d'Evil? Ouais, c'était pour avoir. Ouais, c'est vrai que c'était pour avoir la value, mais. Ok, ça me va. 2-2 Intimidate, ouais, on met 4 points. Ouais, non, c'est clairement mieux. Clairement mieux. Ça lock son prochain tour. On en a un moment, tu vois, c'est une super bonne carte de course qui nous donne envie vraiment Ouais, de j'avoue. faire un petit peu possible, d'intimider aussi, lui il y a ça parfait qui nous mettra des points jusqu'à la fin du monde. Ouais, là, on a vraiment un espoir de faire la course avec ce 2-2 Intimidate. Ah, c'est Alors, plus je les bêtes peux. qui gagnent plus un avec ça, c'est vénère ça. Créature du contrôle gagne plus un, c'est vénère comme charte ça. Ouais. Et ben 2 points, 3-3, hein, ma foi. On peut bloquer notre 2-1 fly avec notre 2-1 fly, on prend pas trop de points. Vraiment pas trop de points du tout. Bon, il y a clairement une course qui s'est installée. On va voir ce que ça va donner cette course. Le problème, c'est que c'est lui qui met les points en premier. Oh! Ça, c'est dur. Ouais.
Il était mauvais à l'époque, lui. Il n'a pas attaqué du tout, même pas avec le 2 de First Strike. Non, on va pas attaquer non plus, on va faire une 3-3. Ouais. Pourquoi il n'a pas attaqué plus de Farfly? Ce qu'il voulait pas prendre 2. Ouais. C'est assez étrange. Il s'est dit, j'ai pas envie de... Il avait pas envie de trader, il avait pas envie de prendre 2. Peut-être qu'il veut nous faire un Card of Calling à 7. Ouais, aussi. Lui s'estime meilleur en late game, tout simplement. Par contre, il sait qu'on a que des cartes actives. Peut-être il a une. Ou peut-être il veut piocher ses cartes. Soit il a du late game en main, soit il estime qu'il a, il a de bons draws à faire. En tout cas, il veut pas faire la course. C'est clair. Ah, il a aussi peur de prendre anti-bet et derrière. Ouais, on verra bien. C'est quoi la traduction de selfless? Celle qui est qui pense pas qu'à sa gueule quoi. Ok, ouais. Dévoué. Altruiste. Ouais, altruiste, dévoué. Ah, c'est Qatar dévoué, je crois, en français, non? Ouais, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que ça me parle, Qatar dévoué. Ouais, là, il fait son attaque. Ça, c'était. Donc. Il peut pas Bon, activer deux fois. il peut. Non, ça coûte 5, ça, ton truc. Il a 6 manas, non? Quand je voulais dire activer deux fois, c'est il peut pas activer ça et ça en fait. Ouais. J'ai envie de faire le double bloc mongrel, non? Ouais, deux mongrels là-dessus. Mais s'il a un plus 4, il nous empale de... Ah. Avec deux mongrels et une dinde dessus, non? Ouais, Bon. je lui donne la 2-1 aussi, elle est Ah cadeau. mais je crois qu'on le donne pas en plus, tu vois. Et on met la 2 un fly sur la là-dedans. Ah, notre 2 un fly, on la met sur la 2 Ouais, là-dedans. je réfléchissais, mais ouais. Là, on est OK, tu vois, y a rien qui nous Ouais, empale. bah comme je connais pas encore toutes les cartes, je suis là pour me faire éblouir par la magie de mon adversaire, mais c'est vrai que là, c'est assez safe. Mais les gens, ils sous-estiment souvent les blocs massifs. Ils se disent toujours, il va double bloc ou. Tout à l'heure, ça avait fait ça aussi avec un des deux adversaires, je me rappelle plus quoi, mais. Des fois, ils font des phases d'attaque, genre, ils espèrent. ils espèrent que tu vas bloquer comme. Oula, ça coûte cher par contre. Ah non, juste Non, utilise. ah non, c'est ça, ok. Ouais, c'est. Il a payé 5 mana pour tuer une 2-1 pour le moment. Un Render Whale, un truc. Sur la fly, un Gazard pour sur la fly. Voilà. On n'est pas si mal, on n'a pas pris trop L'autre cher. nous a empalé pas plus que... Derrière, ça nous permet d'attaquer. Ça nous permet de plus ou moins reprendre le contrôle de la course. Elle a Médi le max que tu peux lui mettre. Hein. On meurt. Pour le moment, on meurt. Pas en deux attaques, donc ça va être en notre faveur de pas mourir en deux attaques. Il avait qu'une carte en main. Là, il est un peu à poil. Elle était un peu en bois son attaque, j'ai trouvé. Ouais, je trouvais aussi. Après, il s'est imaginé. Je pense pas qu'il s'est imaginé le triple bloc. Ouais, Ouais. ouh, ça c'est stylé comme charte ça. Bon. Alors, on peut pas tout faire, c'est-à-dire jouer toutes les cartes et sacrifier. Par contre, on peut faire fist, je mets deux là-dessus. Amarin, dès là, ne bloque pas. Non, et Forge Devil? Mais non, Forge Devil, on peut toujours pas. C'est le Ah oui, non, 2-1. c'était deux là. Ah oui, non, bah putain, ouais, je me Ah, suis donc on fait piste, met deux sur sa play for strike, regarde ce qui se passe. dit. Ouais. Si elle meurt, elle meurt. Si la boost, on fait bah ok, c'est ta play for strike qui bloque pas. Donc fist sur lui. On se bat les couilles. Ouais, au cas où s'il a un truc.
F6. Amarande, hein. Je sais même pas si on fait Amarande. Ah si si on le tue. Ouais, ok. Tu. Pourquoi il y a un tour il a pas attaqué ou alors que c'était un... Il a retenu de faire la course alors que c'est une bonne attaque, et il y a un tour où il a voulu faire une attaque un peu patate, quoi, pas suicide, mais un peu patate pour mettre des points, et elle était vraiment vite fait son attaque. Mais je pense que il pensait surtout qu'on n'avait pas de triple bloc et il s'est dit ils vont bloquer mon 2-2, je vais donner plus 1 et plus 2. Il a dû se dire je vais être puissant, je vais... Et son double bloqué, il prenait la même merde, hein. C'est vrai. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est bizarre de voir un changement d'attitude complètement différent. C'est-à-dire, je vais la jouer safe quand je peux gratter 2 points et quand il n'y a rien à gratter sur l'attaque. Il a mis 0 points, il nous a permis d'attaquer derrière. Oh, il nous a mis un peu, il nous a mis trois, je crois. Ouais, enfin. Pour moi, c'est 0. Mais ouais. C'est clair que je pense qu'il Ah, a je suis bien mal comme ça, géré. y a rien que j'ai envie de prendre une side, rien que j'ai envie de sortir, je suis bien comme ça Ouais, là. pour le moment, il tourne bien ce petit jeu. Ah putain, elle me faisait kiffer la main, je sais ce que je vois qu'il n'y a qu'un land. Pas d'Arto, bah ça va être Mulligan. Ouais, c'est gardé, mais pas avec grand plaisir. Il est à 5, lui. Ah, il a Non, 5. Bon, là, non, pas vrai. ça sera plus ou moins solide, un hein, 3-3 tour 4 contre un Mulligan à 5. C'est pas arrivé, c'est fini. Ah. Plus qu'une bleue, on est bien. Façon de parler. J'ai vraiment l'impression de devoir à toutes les mains ce looter. Ah, il joue trois couleurs, c'est la mode ou quoi? On va faire quoi? Une arme pour créer des comptes à 3, un bronze? Ouais, mais les merdes, elles se valent toutes, hein. Ah, si, un bronze, un looter, un dedans intimidé avec ses collecteurs merde des 3. Un bronze quand même, non? On est ok qu'on veut créer des comptes à 3, 3, on a fait ça. On cherche une tête pour faire des comptes à 3. Ouais, je réfléchissais juste quand tu me disais que c'est le bronze, la pierre. Ah, c'est peut-être le 2 intimidé. Ah, peut-être ça peut être les En 3. fait, les trois sont bien. Selon comment la partie se déroule, c'est-à-dire que le 2-2 imbloquable il pourra nous être utile si on a des problèmes pour mettre les derniers points. Le looter il va être bien parce qu'il est en mulligan à 5 et si jamais il nous laisse respirer 2 tours, ça nous Ah, permet. je pense que c'est pas looter. Je pense que c'est la meilleure des 3, looter. D'accord. Je pense que c'est le game si on a un looter actif, si elle pionce un Ouais, peu. je Hein. pense aussi. En bronze 7 ou 2 intimidé. Sachant qu'il coûte 2, peut-être ça plus tard, ça pourra peut-être. Ça. Ouais, je dirais bronze Ouais, quand même, c'est pas non plus le ouais, bouffe. ça coûte plus de trampoline une bête. Et à côté de 2 intimidé, t'as la même chose, quoi, en mieux dans le game. C'est comme s'il avait des tons qu'on voulait bloquer en attaque, ouais, ça peut mieux que 2 intimidé. Dans l'ensemble, ouais, ça empêche de chumper le bronze, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça fait pareil. Il a combien? Il a 2 cartes en main, d'accord. Un 5-3 a priori. Ouais, bah du coup il va attaquer son point, toi. Ouais, j'ai ce que je pensais, mais c'est Bon, pas. bah tu peux quand même, hein, Et c'est pas tu. certain en plus qu'il attaque avec le 3. Je pense quand même qu'il va le faire.
Ouais, quand même, il est devant dans la course. Mais il peut aussi avoir peur du. S'il a rien en main, il peut Ouais, avoir de peur du. pas. Mais même si j'ai rien en main, à sa place, j'attaque avec le 3-1. En représentant. Logiquement, il attaque. Mais. Ok. Comme il a fait des plays un peu bizarres. Ouais, c'est. Ah oui, il peut aussi se dire juste si trade, il prend 4. Ouais, c'est quand même. Risqué. Là, il prend cher. Je peux donner Ace à Maraudeur. Chez Maraudeur au-dessus de Looter, a priori. On est Ah, clairement. ouais. Il prend cher hein, là. Il prend 7, 8. Ah, c'est celui-là, Ace, Marlon? Ouais. Ah ouais, putain, si. Ah bah ouais. Et il prend avec du coup. Ouais, ça me plaît. C'est ça, vraiment fort, c'est ça. Ouais, j'avoue. Ça fait plein de petits trucs sympas. Ils auront fait plaisir, ces mongrels, dans ce draft. Non, pas si mal comme carte. Qu'est-ce qu'il nous propose? Ah bah c'est de cher ça. Ouais, c'est bon. Ça a la même feuille. Bon, j'allais dire, il a certainement soit un boost, soit un machin. C'est la vie, hein, 4-3 et une sauce. Ouais, mais bon, là sur le coup, on n'a plus besoin de réfléchir. C'est vrai qu'on s'en parle sur deux de ses tricks. J'espère qu'il n'a pas les deux quand même. Ouais, bon, sur pas non plus complètement. Bah, s'il a boost et je remove une bête attaquante, bon, c'est vrai que Ouais, c'est deux. c'est la vie, comme tu dis. Bon, dans la logique, il en a quand même qu'un seul des deux, de tricks. Ça va. Il gagne 3, c'est chiant qu'il gagne 3, mais c'est Ouais, pas. c'est le plus jaune, c'est genre là. Ok, ça touche. Ah Ah. oui, il attaque avec les deux. Ouh. J'allais dire, ça me Comment? fait peur son attaque, heureusement, j'ai pioché ça. Attaque devant. Comment? Attaque devant, hein. Ouais. C'était super agressif comme move. Mais il avait pas le choix, il devait bouger, mais. Ouais, c'est du clair en août. Alors, ça faisait gagner sur Titan Hydro. Je sais pas si Ouais. là, il n'a pas été appelé plus tard, ça serait très facile de gagner. Bah, ça Oui. sera une victoire, comme le draft qu'on avait fait il y a un moment déjà. Est-ce que tu veux dédicacer ce draft à un membre de ta famille ou à un ami, peut-être, Kalbé? Je finis qu'elle se drape à Mathieu de Montagnier, son frère. Ça n'aurait été possible.
Très bien, bah, le message est passé. Et je vous dis à une prochaine, peut-être avec KLB, peut-être sans, on verra. Ciao, ciao! À bientôt tout le monde, ciao!